بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله toutes les louanges appartiennent et reviennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné le tawfiq de venir dans sa maison qui est la masjid afin d'accomplir la salat jumu'ah avec jama'ah en congrégation. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit un hadith en ce sens, Al-masjidu, al-masajidu buyutullahi fil ard, faqad daminallahu liman kanatil masajidu baytahu bil-rahmati wal-jawazi ala s-sirat, wal-jawazu ala s-sirat. Ou comme a dit alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens, que les messages, les mosquées sont les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris la garantie pour celui qui fait de la masjid sa maison, sa demeure, de lui déverser sa rahma, sa miséricorde, et de lui faciliter la traversée du pont Sirat, de lui faciliter la traversée du pont Sirat. Donc ça, c'est la récompense de la personne qui attache son cœur à la masjid. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre créateur, celui qui nous a tout donné, qui est notre bienfaiteur, celui qui nous accomplit de ses bienfaits, qu'ils soient visibles et invisibles, dans notre vie de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, il nous a donné iman, la foi. Alors que d'autres, ils sont dans les ténèbres. Alors que d'autres, ils sont dans l'égarement, dans l'obscurité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la santé. Alors que d'autres, ils sont malades. Ou bien malgré qu'on soit un peu malade, alors on peut trouver des gens qui sont encore plus mal en point que nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un toit, alors que d'autres, ils sont sans maison. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des habits. Allah nous a donné de la nourriture, alors que d'autres, ils sont affamés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la famille. On a une famille, alhamdulillah. Ça, c'est pas un bienfait qui est donné à tout le monde. Allah nous a donné des parents, alors que d'autres, les parents sont déjà décédés. Allah nous a donné une épouse, alors que d'autres, ils ne sont pas mariés, ou bien il y en a d'autres, ils sont veufs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des enfants, alors que d'autres ne peuvent pas avoir d'enfants. Combien de bienfaits Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si on peut citer, on peut citer depuis le matin jusqu'au soir les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Mais jamais on va pouvoir compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Mais nous oublions une chose. N'oublions pas que ce dunya n'est qu'apara. Et que c'est une épreuve. Ce dunya est une épreuve qui ne doit pas nous détourner de notre objectif. Notre objectif c'est quoi? C'est comment on acquiert la réussite dans ce bas monde. Ce bas monde ne représente qu'un court instant de notre vie. Et la réalité c'est l'au-delà, l'au-delà qui est notre destination pour toujours. Un hadith, il dit en ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que مثل الدنيا والآخرة مثل الذي مثل أحدكم يجعل أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. Il dit en ce sens que l'exemple de ce monde comparé à l'au-delà, c'est l'exemple de l'un de nous qui va prendre son doigt et qui va le plonger dans l'océan. Il se trouve devant la mer, il prend son doigt et il le plonge dans l'océan. Et là, il va regarder, il va comparer. Ce qui va rester sur son doigt, la goutte d'eau qui reste sur le doigt, ça c'est la vie de ce monde. Et tout ce qui reste, toute l'étendue des océans, ça c'est la vie de Akhira, la vie de l'au-delà. Donc chacun d'entre nous doit comprendre cela, que ce bas monde c'est juste pour un temps. Yahya bin Ma'in, qui était un grand savant, un tabi'in, il dit cette citation. Il dit que l'intelligent, c'est celui qui a délaissé ce monde avant que le monde ne le délaisse. Celui qui a délaissé ce monde avant que le monde ne le délaisse. Celui qui a creusé sa tombe avant qu'il n'y pénètre. Ça, c'est des mots forts, ça. Celui qui a creusé sa tombe avant qu'il n'y pénètre. Et aussi, celui dont son créateur est satisfait de lui avant qu'il ne le rencontre. Ça, c'est quelqu'un d'intelligent. Aujourd'hui, le musulman court derrière ce bas monde, sa beauté, sa parure. Il travaille sans cesse pour augmenter ses biens.
Il en veut toujours plus en essayant de contenter et sans essayer de se contenter de ce qu'il a déjà. Toujours plus, il va travailler plus. Sans comprendre que ce bas monde, c'est juste pour un court instant. Toujours plus d'argent, toujours plus de grandes et belles maisons. Quand on a une maison, alors le croyant veut une deuxième. Toujours des voitures. Quand il a une voiture, il veut une deuxième voiture. Il y en a même qui changent de voiture comme de vêtements. Il y en a, lorsqu'ils ont un portable, la dernière nouveauté, dès qu'il y a une nouveauté, il faut qu'ils ont cette dernière nouveauté concernant les portables. Toujours des vêtements un peu plus coûteux. Ils veulent toujours être au top. Mais sachons une chose, ce hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit en ce sens que لو كان لابن آدم واديا أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que si le fils d'Adam il avait une vallée en or, alors il ferait l'effort pour avoir une deuxième vallée en or. S'il a déjà une grosse vallée en or, il fera souci pour qu'il ait une deuxième vallée en or. وَلَنْ يَمْلَا أَفَاهُ إِلَّا تُرَابُ. Mais ceux qui va contenter l'avidité de l'être humain, c'est seulement la terre de la tombe. Tant qu'il est sur la terre, il va toujours vouloir avoir plus. Tant qu'il n'est pas rentré dans la tombe, jamais il va arrêter de faire des projets. Toujours plus de projets, toujours plus. Jusqu'à ce que Malaïka al-Maut, il l'attrape. D'ailleurs, il y a ce hadith qui me revient en tête de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Hubbu kashay ayyumi wa yusimmu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ton amour pour une chose te rend sourd et aveugle. » Ton amour pour une chose te rend sourd et aveugle. Alors c'est l'exemple de nous aujourd'hui. Ce bas monde, notre amour pour l'apparat de ce bas monde, nous a rendu aveugle. C'est-à-dire en voulant acquérir tous ces biens-là, alors on perd beaucoup de temps pour notre préparation de l'au-delà. Parce que le fait de prendre du temps pour acquérir tout cela demande beaucoup de temps. Donc on doit toujours travailler plus et investir, et on a oublié d'investir dans l'au-delà justement. Mais la vie de ce monde n'est qu'une tromperie, mes frères. La vie de ce monde, c'est juste, on est juste dans un rêve là, on est en train de rêver. D'ailleurs, Allah ce matin-là, il dit dans la sourate Al-Hadid, verset numéro 20, il dit « Sachez que la vie présente n'est que jeu. La vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. » Ça, c'est la vie de ce bas monde. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment et aussi un pardon et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Notre nafs, notre ego, il nous a trompés. Il nous a fait choisir le mauvais choix. Chacun d'entre nous, on connaît que ce bas monde, on vit, le temps il passe très vite. Mais on a oublié notre objectif. Au lieu d'investir pour l'au-delà, on est en train d'investir uniquement pour ce bas monde. Ce dunya, il nous a trompés. Et nous a laissé croire que notre bonheur se trouve ici-bas, dans les choses matérielles. Cela est faux, car le croyant, le vrai croyant, ne considère ce monde que comme une prison. Nabi Sansam n'a-t-il pas dit que ce bas monde est une prison pour le croyant et le paradis pour celui qui ne croit pas? Donc mes frères, comment chacun d'entre nous, on doit veiller à cela. N'oublions pas que ce dunya, c'est juste une tromperie pour nous mes frères. Le croyant doit toujours savoir que ce dunya n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne considère pas ce bas monde. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ce bas monde non seulement à ses amis et non seulement à ses ennemis aussi. Allah ne regarde pas. Pour ce bas monde, il donne tout le monde. Dans le Musnad de l'imam Shafi, il rapporte ce hadith qui confirme justement ce que j'ai dit là. Il dit que Amr radhiallahu anhu rapporte que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il prononça un serment. Un serment très important. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, prenez garde. Ce bas monde et son contenu ne sont en fait qu'une marchandise temporaire. Dérisoire, une marchandise sans valeur. Que le dévot, aussi bien que le pécheur, se partage et consomme. Par contre, l'au-delà est certes une réalité.
L'au-delà, ça c'est la réalité des choses. Son avènement inexorable et son échéance fixée donneront lieu à un jugement que présidera un roi tout-puissant. Prenez garde, le bien dans son intégralité se trouve dans le paradis et le mal dans son intégralité se trouve en enfer. Prenez garde, œuvrez en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez garde, œuvrez en craignant Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et soyez assurés que vous irez à comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala avec vos œuvres. Et quiconque aura fait un atome de bien, il le verra. Et quiconque aura fait un atome de mal, alors il le verra. Ça, c'est un hadith très important qui doit attirer notre attention. Que très certainement, mes frères, ce bas monde n'a aucune valeur. En réalité, on est juste de passage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, très bientôt, hein, il va nous juger le jour de Qiyama. Maintenant, si on a gaspillé tout notre temps pour rechercher les biens de ce monde, alors qu'est-ce qu'on a préparé pour l'au-delà, mes frères? Il y a cette parole qui me revient en tête souvent, il y a un tonton ici à la masjid, il me rappelle cette parole, il me dit « Ad-dunya sa'atun faj'alhu ta'atun ». Souvent il me dit cette parole, il me dit que « Mon fils, ce dunya, c'est juste un instant ça. Faj'alhu ta'atun, fais de ce temps qui te reste, reste dans l'obéissance d'Allah. » C'est juste un court instant ce dunya, c'est pas beaucoup de temps. Donc c'est pour cela que chacun d'entre nous doit faire cette intention justement, hein, de faire attention à nos objectifs. Une dernière anecdote pour terminer, c'est juste, on va dire, une anecdote, une histoire d'un savant. Un homme pieux, il raconte cela. Il a fait un rêve et il nous raconte, il dit que j'ai vu en rêve un homme dans un désert et devant lui, il y avait une gazelle. Donc il est en train de nous donner une leçon à travers le rêve qu'il a eu. Et justement, c'est un rêve qui parle du dunya par rapport à l'au-delà. Le dunya et la mort qui arrive bientôt. Il dit, j'ai vu en rêve un homme qui était dans le désert et il y avait une gazelle devant lui. L'homme cherchait à attraper la gazelle, mais la gazelle, elle était en train de fuir. Et puis derrière l'homme, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un grand lion qui était à ses trousses. Un lion qui était à ses trousses. Et de temps en temps, l'homme, il regardait derrière, mais s'inquiétait pas. Il voyait le lion arriver, mais s'inquiétait pas plus que ça. Alors il continuait à courir derrière la gazelle, jusqu'à ce que le lion il l'a attrapé, et puis il en finit avec lui. Lorsque le lion il a terminé avec lui, la gazelle elle s'est retournée, regardant le corps gisant sur le sol, puis la gazelle elle est partie. Tout de suite après, un deuxième homme, il est venu courir derrière la gazelle. Et toujours le lion qui l'attaque. Ainsi de suite, le lion l'a attrapé. Il y a un troisième, et un quatrième. Et l'homme pieux, il dit en ce sens que j'ai vu cette scène jusqu'à 100 personnes. J'ai compté 100 personnes dans cette situation. Jusqu'à 100 personnes. Et puis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cette chose-là que j'ai vue dans mon rêve, c'était étrange, ça. C'était une histoire très étrange. Et puis, tout d'un coup, lorsqu'il a dit ça dans son rêve, le lion lui a dit, « Pourquoi cela te semble-t-il étrange? Ne me reconnais-tu pas ?» Il a dit, non, je te reconnais pas, je ne te reconnais pas. Et cette gazelle-là, tu le reconnais pas? Il a dit, non, je ne reconnais pas. Sache que moi, le lion, je suis l'ange de la mort. Et la gazelle, c'est qui? C'est ce dunya. Chacun d'entre nous, on est en train de courir derrière cette gazelle, tout en sachant que la mort, elle attend juste pour nous attraper. Sans se soucier de cela, alors on est en train d'avancer comme ça tous les jours. Tous les jours, ils sont en train de passer, sans qu'on se soucie. Donc c'est pour cela que chacun d'entre nous, on doit faire l'intention, Inch'Allah, de reprendre l'objectif de notre vie. C'est quoi? C'est comment on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelques astuces justement pour enlever, juste pour terminer, pour enlever cet amour de ce bas monde dans notre cœur, alors on doit penser beaucoup à la mort. La mort, elle peut arriver à tout instant. Pensez beaucoup à la mort. Aussi, visiter les tombeaux. Visiter les tombeaux, ça va enlever en nous l'amour de ce monde. Et on va penser à l'au-delà, le jour où on va nous transporter. Et dernière chose, il y a quelqu'un qui disait ça, il disait en ce sens que, alors il faut se dire tous les jours que ça c'est mon dernier jour sur cette terre. Peut-être on va passer la journée, ça ne sera pas aujourd'hui, mais un jour ou l'autre on aura eu raison. Un jour ou l'autre, on aura eu raison. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne à tous le tawfiq de comprendre, Inch'Allah, de pratiquer et de propager. Jazakumullah khair.